et vous avez un invité surprise. Hugues, c'est ton temps de la Noël, tout en camion de la mairie de Paris. Dis donc Hugues, en ce moment, il y a tellement de marcheurs qui se barrent du gouvernement pour les municipales de 2020 que bientôt ça va ressembler plus au semi-marathon de Paris qu'à une élection. Alors voici ma question, si tu réfléchis à te présenter justement à la mairie de Paris seulement après les européennes, est-ce que c'est parce que tu penses, comme disait Céline Dion, que les derniers sont les premiers? Monsieur le maire, je suis très heureux de vous saluer ce matin. Je pense que vous avez marqué cette ville autant que Jacques Chirac et que vos conseils sont toujours bons à prendre. Et donc, je réfléchirai à votre question et je vous apporterai le moment venu une réponse. Il faut qu'on déjeune ensemble alors. Avec plaisir. Il me semble que c'est déjà fait, mais vous n'en avez pas un souvenir impérissable apparemment. Il a perdu la mémoire. Merci beaucoup à vous, Hugues Granson. Et au passage, on est le 1er avril. Pas un poisson d'avril, mais c'est la Saint-Hugues. Vous avez un truc dans le dos. Merci infiniment d'y penser. Aussi. Ouais, et à vous, Patrick Roger et ma maman ce matin. Voilà, vous voyez. Merde, j'ai raté ça. Je salue d'ailleurs. Mais ça se fête la veille, Patrick Roger, pas le jour même. C'est vrai. Bah, en tout cas, on retrouve Dany Moreau à 8h. Va rester avec nous, 7h57. Et puis, bonne fête, Hugues Granson. C'est le grand matin jusqu'à 10h.